Je ne sais pas s'il était dur avec ses paroissiens. Il a sûrement. Écoute, c'est un homme avec un caractère bouillant, fait que plus personne n'est parfait. Il n'est pas parfait, le curé Labelle. Il a sûrement fait un paquet de gaffes. Il a sûrement dit des choses qui ont blessé du monde. Mais je veux dire, je suis sûr que son intention première, c'était pas ça. Je pense, moi, que c'était un être profondément bon. Il devait faire le bonheur des enfants, là. Juste parce que c'était quelqu'un qui avait une mimique faciale. Écoute, il pouvait passer... Ses états d'âme paraissaient dans sa face parce que c'était quelqu'un d'hyper expressif. Fait que le choc, écoute, puis tellement distrait, ça, il devait faire le bonheur des enfants. C'est sûr qu'on devait y jouer des tours des fois, là, parce que, bon, c'était carrément la personne idéale pour ça. De toutes les correspondances que j'ai épluchées, défrichées plutôt, Labelle, c'était quelqu'un qui avait un sens d'humour puis de l'autodérision là, mais comme ça se peut pas. Et c'était quelqu'un qui aimait rire, puis en fait il trippait ses anecdotes sur le burlesque. Lui, il adorait des, tu sais, comme mettons s'il allait dans le nord chez des colons ou comment t'appelles ça là, des bûcheux. Ce qui trippait, lui, c'était le soir, là, autour du feu, là, les gens se racontaient des histoires les plus abracadabrantes possibles, là. Ça, ils trouvaient ça très drôle, tu sais, c'était ça.